Salut à tous. Alors on se retrouve pour continuer l'acte 3. Comme je vous avais dit la dernière fois, on avait quelques quêtes à faire ici. On a récupéré le Mage Ermite, donc c'est ce qu'il faut faire. On va récupérer une autre histoire de cascade et tuer, je pense, le boss sanglier. Voilà, voilà, le petit programme. Et je pense qu'on va retourner, du coup, on aura peut-être le temps, je suis pas sûr, de retourner à la ville où il y avait les morceaux d'argile. Non, je pense qu'il y a moyen de tout faire aujourd'hui, mais... Le chemin est un petit peu long. Alors on arrête de discuter et on est parti. Vous pouvez peut-être m'y parvenir. Là, je l'ai vu venir. Fait chier. Encerclé, et puis ils sont super rapides. Hein. C'est pas des monstres dangereux, mais là, c'est vrai que j'ai pas géré. Du coup, je vais faire le haut, tout de suite.
Putain, il meurt une shot. Holy shit. Il me restait toutes mes vies presque. Oh, faut pas traîner au cac avec eux. Oh le salaud. Collection de bâtons, le talisman 17% de vitesse totale. En fait, j'ai un de vitesse de plus que celui que j'ai en ce moment, mais je perds du coup les 99 d'absorption de vie sur 3 secondes. Donc, OZEF.
ne peux rien porter d'autre. Donc là, je vais récupérer la quête des trois sœurs, il me semble. Enfin, le PNJ doit pas être très très loin. Et après, bah, donc c'est encore du farming de monstres, un petit peu, jusqu'au sanglier. J'aurai peut-être le temps de faire ce que je veux quand même, je pense. Faut voir. Ce chemin mène au sommet. Oh là là, il m'emmerde à me donner que des bâtons, c'est pas possible. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ça s'appelait le palais de Jade ici, alors que c'est un des plus petits villages qui soit dans l'acte 3. Alors, j'aurais pas dû me taper là d'ailleurs parce que il est un peu loin le marchand. Oh excellent, viens! Nous avons de belles choses à vendre aujourd'hui. Reviens quand tu veux. J'aurais pu prendre des popos, hein. C'est pas grave. Je t'aurais pas trop en besoin. C'est quoi ce poison de ouf? Et en plus j'ai vu personne avec une attaque poison. Elle pique.
parti. Normalement, je le fais assez facilement. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Honorable Vaudevite, le serviteur. Oh non, j'ai oublié qu'il y avait des mecs en argile ici, c'est pas vrai. C'est reparti, supplice. Ce que je vais faire, enfin ce que je vais essayer de faire, c'est je vais voir si je peux les zapper. Parce que ça va être trop long et j'ai pas envie de me faire chier.
je... Laissez-moi vous expliquer. Voilà, on a récupéré une des sœurs. La deuxième est pas là tout de suite encore. Hein. Et en plus, le territoire est assez imposant, donc il va falloir que je revienne en arrière déjà. Pour tout clean. Ah, je crois que c'est l'autre sœur qui est juste à côté. Oh, étranger, nous vous sommes tellement reconnus. C'est grand comme territoire, on n'a pas fini. Il y a une grotte en plus.
possible. Faut tellement mal. Putain. Ah, bah c'est vrai que... Oh mince, je crois que j'étais passé à côté de la fontaine. Non. Non, sans déconner. Bon, j'aurais dû faire... J'aurais dû passer à côté de la fontaine avant de les aggro. Oh merde, j'ai perdu le temps.
trouver le palais d'une des portes de Chang'an. Comment résister face à un tel bâton? Et avez-vous vu la finesse de ce... Alors, elle n'a pas l'air dégueulasse du tout, cette petite épée là. Alors, très rapide, 135-144, 33% de dégâts en plus, 36 de dex, 36 de capacité offensive, 36 de vitesse d'attaque. Oh, j'aime bien ça, sympa ça. Pour un reroll, un tel, ta gueule, ça, c'est de la merde. Ça c'est un truc de gelée, non c'est pas celui-ci qui est magique. Dégâts de froid, je m'en fous. Tu vois le nombre de dégâts que... J'ai 2400 en 68 avec ma lance. Que de scorpions. Et là, 2300. Allez, quand même. Quand même. Hop. Je vais les garder. En plus, elle a une belle gueule comme ça. Du coup... Au revoir. Je vais rendre mes quêtes. Derrière la cascade. Merci, noble. Que le destin vous apporte. Et voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter ici pour cette fois-là. J'en suis à 48 morts, ouais. Ah, je suis mort 3 fois dans cette vidéo-là, putain la honte. Ah, ça me fait chier. J'ai pas super géré quand même. Ce qui me fait chier surtout, c'est que c'est même pas les boss quoi qui me tuent, c'est que c'est des pauvres mobs. Ça qui est abusé. Enfin, voilà, donc la prochaine fois on continuera l'acte 3 et on va vraiment s'approcher de la fin maintenant. Il me semble qu'il reste plus qu'un TP, je sais plus. Donc ouais, ça... Bientôt, là, dernier Telkin, puis après Typhon, putain, je suis assez pressé. On va voir comment il est en légendaire. Easy, ça se trouve. Enfin voilà, allez les gars, je vous laisse, à plus.